Les héros de la biodiversité avec le ministère du Développement durable et Suez Environnement. Face à Digne-les-Bains, cette forêt n'était que broussailles. C'est pourtant ici qu'avec Noé Conservation, Nicolas Morel a décidé de créer le Jardin des Papillons. Résultat remarquable. Sur cet espace d'un hectare, en 10 ans, on est arrivé à 132 espèces de papillons de jour français. Mais il faut savoir aussi que le papillon, au même titre que l'abeille, est un pollinisateur essentiel des plantes. Donc il a un très grand rôle dans la biodiversité. Pourtant, ne pas se fier aux apparences. Il y a une espèce sur trois de papillons qui est menacée de disparition en Europe dans les 50 ans qui viennent. En cause, notamment les pesticides. La solution ? Cultiver la diversité végétale pour cultiver la diversité entomologique. Ainsi, servir la nature peut apporter la satisfaction. Nous sommes fiers aujourd'hui de cette réalisation. Oui, absolument.